droit à une petite peluche. Clara, okay. J'ai le droit à une rose. Voilà. Oh, regardez. Voilà. Et surtout, une superbe lettre. Donc, merci à Mathilde. Franchement, c'est trop mignon. Et voilà, elle est incroyable. Hein. Elle m'a dit, j'adore ta façon de vivre. Ça, c'est très important. C'est très intéressant et c'est très flatteur. Merci à Mathilde. Je la poserai sur mon lit à la Starac au château. En pensant à toi. Bonjour. 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 Moi avant j'étais toujours au fond, mais bon maintenant je vais me mettre quand même. Par contre la chaise elle est toute petite pour mon corps, j'ai l'impression. Bonjour. Asseyez-vous à vos places. Donc bienvenue à nos académiciens, on est vraiment très 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 heureux de vous avoir aujourd'hui. Très émus aussi. Donc je vous présente les troisièmes CHAM de notre collège. Donc la CHAM, hein, c'est des classes horaires aménagées en musique. Donc ils ont une heure de cours chaque semaine avec moi. Et après ils vont au conservatoire pour faire des ateliers. On se met sur les instruments les élèves? Allez, je vous laisse vous installer. Bravo. Voilà. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis pas, ce n'est que de tes yeux. Car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie. Aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. C'est vraiment un honneur de chanter devant vous. Vous êtes vraiment très gentil d'avoir voulu chanter avec moi. Vraiment, merci, je ne vous remercierai jamais assez. Merci à toi. Je peux me permettre, Anna, je trouve que t'es très courageux. Ça me touche beaucoup parce que j'aurais jamais pu faire ça moi à ton âge. Et je trouve que de faire ça comme ça, je trouve que c'est très courageux. Ouais. Et c'est très bien, continue. Tu fais une super voix. Pas nommé. Pas nommé. Oui, je n'ai pas nommé. C'est immunisé. Les enfants de la classe CHAM, on venait quand même principalement pour eux, pour passer un petit moment avec eux. Chacun à leur tour, ils sont passés nous faire une petite prestation. C'était très chouette, c'était trop mignon, c'était adorable. Est-ce que les élèves, vous avez des questions à leur poser? Parce que je voulais garder un petit temps d'échange, justement, vous aurez peut-être des questions à leur poser. J'ai une question pour vous. Comment vous gérez le stress? On gère mal. Comme vous, là, vous étiez stressé. Nous, c'est comme ça, tous les jours, on se dit, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Puis en fait, on kiffe tellement ce qu'on fait, qu'après, ça devient du bon stress, en fait. C'est pas un truc qui est négatif. Pour l'instant, ça peut paraître mal, mais... On a chacun, je pense, ici, notre façon de gérer notre stress, mais à la fin, on parvient toujours à faire quelque chose de cool, et je pense que c'est aussi en partie grâce au stress, tu vois. Donc, mais en vrai, il disparaît jamais. Oui, heureusement. Ouais, il est toujours un peu là. Et en vrai, heureusement c'est qu'il pas disparaît qu'il va partir pas. Un jour. Et je pense aussi qu'il ne faut surtout pas hésiter à oser. Et là, c'est ce que vous avez fait, par exemple, et je suis très contente que vous l'ayez fait, parce que je sais que là, vous allez rentrer chez vous, et tu vas te dire, je suis fière de moi, tu vois. Et ça, dans la vie, je pense que c'est hyper important, peu importe ce que c'est, que ce soit la musique ou autre chose. Si vous voulez faire un truc, osez. Et au pire, tu te plantes, c'est pas grave, il n'y a jamais d'échec en soi. Et moi, quand j'avais votre âge, je me disais, ok, c'est mon rêve, j'aimerais bien devenir chanteuse, mais c'est pas possible parce que tout le monde me dit que c'est pas possible, donc je vais pas le faire. Et j'ai jamais osé, et là, cette année, j'ai osé, et mon rêve se réalise. Donc croyez en vous jusqu'au bout, même quand tout le monde vous dit qu'il faut pas croire en vous, croyez-y, vraiment, 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 jusqu'au bout. C'est des ados qui ont plein de rêves et qui partagent plus ou moins la même passion que nous. Et de pouvoir inspirer ou donner un exemple, si je peux dire ça comme ça, mais à des personnes un peu plus jeunes,
qui pourraient se reconnaître en nous. C'est vraiment cool. On se met en position pour notre petite surprise. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser des murs, en soufflant dans des trompettes, ou à force de murmures, vous irez au bout de vos rêves, tout au bout de vos rêves. Vous irez au bout de vos rêves, où la raison s'achève, tout au bout de vos rêves. Ouais, merci les gars, vous êtes trop mignons. Ça fait trop plaisir. Ah, toi, tu m'as défoncé les mains. Moi, j'ai un petit truc à vous dire. Est-ce que après les vacances de Noël, ça vous dirait de venir au château nous rendre visite? Oui, ouais. Ah. On a tout, un piano, guitare, ouais, mélodica. On a plein de trucs. On a des. Si, si, on a plein de trucs. On a à manger et tout, ça. Ouais, c'est... ouais, on a vraiment plein de trucs à manger en plus. Non, en vrai, c'est vraiment grand cool, jardin. Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment cool. On a été super bien accueillis. Et voilà, ils étaient trop mignons. On a essayé de leur donner, nous, le. Les meilleurs conseils qu'on pouvait leur donner. Enfin, c'était un échange vraiment cool. En tout cas, on vous remercie parce que vous leur avez apporté, mais vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous nous avez apporté. Un énorme merci. Merci à vous. On aimerait bien, nous, un petit timing pour finir le deuxième mine de votre académie. Un petit hommage à votre professeur de chant, quand même. Ok, la troisième, est-ce que vous êtes chaud? Allez, attention. 3. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Hey man, don't you feel that? I feel happy. Is there a problem? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez la Starac, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À très vite.